word declared to us. God's word declared to us. La parole de Dieu nous déclare. Lift up your heads, O ye gates. Vous portes, élevez vos linteaux. And be ye lift up, ye everlasting doors. Élevez-vous, portes éternelles. That the King of glory shall come in. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. He said, lift up your heads, O ye gates. Il dit, portes, élevez vos linteaux. Even lift them up, ye everlasting doors. Et soyez vous élevés, portes éternelles. In this service this morning. En ce culte de ce matin. We have come to open doors. Tu es venu à des portes ouvertes. We have come to open doors. Nous sommes venus à des portes ouvertes. Financial doors. Des portes financières. Business doors. Des portes dans les marital doors. Portes dans les mariages. Doors of healing. Portes de guérison. That's what we have come to open this morning. Voilà pourquoi nous sommes venus les ouvrir. And so we're going to command. Donc nous allons commander. Every door against my journey. Que toutes les portes contre mon every voyage. Every door closed in my business. Toutes les portes fermées sur mes affaires. We declare them open this morning. Nous les déclarons ouvertes ce matin. Let's open those doors this morning. Élevons nos voix et ouvrons ces portes every ce matin. Door over your career. Toutes les portes de ta carrière. Every door that's closed over your family. Toutes les portes fermées contre ta famille. May you lift say you ever last in doors. Vous portes élevées portes. Portes, soyez élevés. That the King of glory may come in. Que le roi de gloire fasse son entrée. Who are you mountain before Zerubbabel? Qui es-tu montagne devant Zerubbabel? Thou shalt become a plain. Tu seras aplani. Let's declare the doors are open this morning. Déclarons l'ouverture des portes ce matin. Every door shut against anyone this morning. Que toutes les portes qui sont fermées contre quiconque. We declare the doors open nous today. Déclarons ces portes ouvertes we ce matin. The doors open today. Nous déclarons ces portes ouvertes ce matin. Doors of progress are open les this portes morning. De progrès sont ouvertes ce matin. Doors of promotion are open les this portes morning. De promotion sont ouvertes ce matin. Let's open those doors this morning. Ouvrons ces portes ce matin. Over the life of your children. Sur la vie de tes enfants. In your career, in your business. Sur ta carrière, sur tes affaires. In that your office. Sur ton bureau. The doors open for you this que morning. Que les portes s'ouvrent ce matin. It confirms the word of a servant. Car il confirme la parole de son serviteur. The doors of conception are open this que morning. Que les portes de la conception s'ouvre ce matin. The doors of conception are open que les this portes morning. De la conception s'ouvrent ce matin. Every door the devil has closed. Toutes les portes que le diable a fermées. We declare them open this nous morning. Les déclarons ouvertes ce matin. From unexpected places. Des lieux inattendus. From strange places. Des lieux étranges. We declare the doors are open nous déclarons them. L'ouverture des portes ce matin. Be open this morning. Soyez ouvertes the ce matin. Doors. Vous portes éternelles. The everlasting doors. Vous portes éternelles. Open this morning. Soyez ouvertes ce matin. International doors open les portes this morning. Internationales s'ouvrent ce matin. International doors open les this portes morning. Internationales s'ouvrent ce matin. We stand on the word of God today. Tiens-toi sous la parole de Dieu. We command the doors open. Et nous déclarons l'ouverture des portes. We command the doors open. Nous déclarons l'ouverture des portes. We command the doors open. Nous déclarons l'ouverture des portes. We command the doors open. Nous déclarons l'ouverture des portes. Over your life, doors sur ta open. Vie, les portes s'ouvrent ce matin. Over your life, doors sur open. Ta vie, les portes s'ouvrent ce matin. Father, we say thank Père, you. Nous te disons merci. Blessed be your name. Béni soit ton nom. Father, we say thank you. Père, nous te disons merci. You confirm the word of your servant. Car tu confirmes la parole de ton serviteur. And perform the counsel of your messengers. Et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Lord, in this service today, Seigneur, on s'occupe de ce matin. Every door that been closed against toutes anyone, les portes qui ont été fermées contre quiconque. That door open this morning. Ces portes s'ouvrent. International doors open les this portes morning. Internationales s'ouvrent ce matin. Marital doors open this les morning. Portes maritales s'ouvrent ce matin. Doors of conception open les this portes morning. De la conception miraculeuse financial s'ouvrent ce matin. Doors open this morning. Les portes financières s'ouvrent ce matin. Every door that you desire to open et this toutes morning. Les portes que vous désirez voir ouvertes. We declare it's open nous today. Les déclarons ouvertes ce matin. The doors that are open before. Et les portes qui étaient déjà ouvertes. They will open wider this nous morning. Les déclarons largement ouvertes. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous ce matin. Give us a fresh understanding. Donne-nous une compréhension fraîche. Holy Spirit, you are welcome. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle. Have your way this morning. Et aie libre cours. Thank you because you have done it. Merci parce que tu le fais. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Praise God. Fortune is my portion in 2024. Lui, le Seigneur, la fortune est ma portion 2024.
Congratulations. Félicitations. Let's take a seat in God's presence. Prenez place dans la présence de Dieu. I want to welcome you to this last Sunday in the month of April. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue en ce dernier culte de ce mois d'avril. God says better is the end of a thing than the beginning thereof. Dernier dimanche du mois d'avril, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. And I trust God as God's word goes for this morning. Je crois en Dieu que la parole de Dieu sortira ce matin. God will open your eyes on understanding. Et Dieu ouvrira tes yeux pour la compréhension. And speak to you personally. Et il te parlera personnellement. Gateways to supernatural blessings in our times. Voie d'accès aux bénédictions surnaturelles dans les temps difficiles. That has been our line of teaching for the month of April. Voilà donc notre série d'enseignements au cours de ce mois d'avril. Gateways to supernatural blessings in our times. Voie d'accès aux bénédictions surnaturelles dans les temps difficiles. And we're looking at part 6 of that teaching this morning. Nous allons voir la partie 6 de cet enseignement. I trust God that God will speak to us as individuals. Je crois en Dieu qu'il nous parlera en tant qu'individu. Please, let me welcome someone to church. You are welcome. S'il te plaît, souhaite la bienvenue à ton voisin. Bienvenue, voisin. I see the glory of God on your life. Je vois la gloire de Dieu sur toi. I see you blessed this morning. Je te vois béni ce matin. Hallelujah. Amen. Praise God. Louange à Dieu. We're going to begin our lesson this morning. Nous allons commencer notre enseignement. From the story in 2 Kings chapter 4. De l'histoire tirée de 2 Rois chapitre 4. That story is the account of a widow woman. Et cette histoire, c'est le récit d'une femme veuve. This woman was in debt. Cette femme était très endettée. Her husband had died. Son mari était décédé. And so when the husband died, alors lorsque son mari était mort, some debts for her. Et ce mari a laissé des dettes au détriment de cette femme. And so the people that she was owing the money came for the children. Et toutes les personnes à qui elle devait de l'argent sont venues la voir. They said to her, et lui ont dit, in replacement of the money that your husband is owing us, pour remplacer cet argent que ton mari nous doit, we're going to take your two sons. Nous allons prendre tes deux fils. So this woman went to the prophet. Alors cette vieille dame veuve est allée voir le prophète. She went to Elisha to narrate her ordeal to the man. Elle est allée voir Élisée pour raconter son histoire. And Elisha asked her a very important question. Alors Élisée lui a demandé une question très importante. Elisha said, "What do you have in your house?" Alors Élisée lui a demandé, qu'as-tu dans ta maison? And she responded to Elisha. Et elle dit à Élisée, he says, "I have nothing." Je n'ai rien du tout. But I have a pot of oil in my house. Mais je n'ai qu'un vase d'huile dans la maison. And so the prophet gave her a prophetic instruction. Alors le prophète lui donna une instruction prophétique. He said, go and borrow more vessels. En lui disant d'aller prendre d'autres vases. And shut yourself up inside the room. Et tu vas t'enfermer dans une pièce. And begin to pour the oil inside the vessels. Et tu vas commencer à verser l'huile dans ces vases. And as she began the process, lorsqu'elle a commencé le processus, there was a miracle on multiplication. Il eut un miracle de la multiplication. L'huile ne faisait que se multiplier jusqu'à ce que tous les pots étaient finis. Now, after the miracle had taken place, alors lorsque ce miracle eut place, Elisha gave the woman an instruction. Le prophète Élisée donna une instruction à cette femme. In verse 7, le verset 7. 2 Kings chapter 4 verse 7. 2 Rois 4 le verset 7. Then she came and told the man of God. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. And the man of God said to her, et il dit, go sell the oil. Va vendre l'huile. And pay the debt. Et paye ta dette. And live thou and thy children of the rest. Et tu vivras toi et tes fils et ce qui restera. And so the prophet said to her. Donc le prophète lui dit, establish a business with this oil. Mets en place une affaire avec cette huile. Go and sell the oil. Va et vends cette huile. Praise God. Louange à Dieu. And that was the instruction that the man gave to her. Et parlons de l'instruction que ce homme lui a donnée. Now after that time, après ce temps, there was no other account again. Il n'y avait plus d'histoire à raconter. That the same miracle happened again. En disant que ce miracle s'était reproduit. Because from that point on, parce qu'à partir de ce point jusqu'à aujourd'hui, the man gave her instruction. Ce homme lui a donné une instruction. For this miracle that you just experienced. Car par ce miracle que tu viens d'expérimenter, go and sell. Va et vends. Go and establish a business. Va et mets en place une affaire. Now, our emphasis in this service today, alors notre point d'insistance ce matin, understand how God actually blesses us. C'est de comprendre le moyen par lequel Dieu nous bénit. After you have given so much, après que tu aies tellement semé, what are the channels through which God will bless us? Quels sont les canaux au travers desquels Dieu va te bénir? In Matthew chapter 17, Matthieu chapitre 17, there's also a miracle there. Il y a également un miracle récité Let's là-bas. Go there together. Nous allons lire cela ensemble. Matthew chapter 17, Matthieu chapitre 17, and there's a miracle that Jesus did. Il y a un miracle que fit Jésus. Hallelujah.
Amen. Matthew chapter 17. Matthieu chapitre 17. From verse 24. Lisons à partir du verset 24. Hallelujah. Amen. And when they were come to Capernaum, lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, they that received tribute money came to Peter. Ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre. And said, doth your master pay tribute? Et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas deux drachmes? He said yes. Il dit oui, dit-il. And when he was coming to the house, et quand il fut entré dans sa maison, Jesus prevented saying, Jésus le prévint. What thinkest thou, Simon? Et dit, que t'ensemble, Simon. Now in verse 27. Le verset 27. Hallelujah. Amen. He said, notwithstanding. Mais. Lest we should offend them. Pour ne pas les scandaliser. Go down to the sea. Va à la mer. Cast an hook and take up the fish. Jette la maison et tire le premier poisson. The first come up out of the water. Le premier qui viendra de l'eau. And when thou hast opened his mouth. Et lorsqu'il ouvrit la bouche. Thou shalt find a piece of money. Tu trouveras un statère. He said, take that money. Il dit, prends-le. And pay for our et tax. Donne-le pour moi et pour toi. So there was a miracle of provision here again. Donc il eut un miracle qui s'est produit ici. Money came out of the mouth of a fish. On a vu cette pièce qui est sortie de la bouche but du poisson. Again in the story of Jesus, et encore dans l'histoire de Jésus, you will notice that this miracle never happened again. Tu vas remarquer que ce miracle ne s'est pas reproduit this dans la suite. Miracle only happened once. Ce miracle ne s'est produit qu'une seule fois. Now, if you study the story of Jesus, et si tu regardes l'histoire de Jésus, Jesus also has a treasurer. Jésus également avait un trésorier. Because there was an inflow of resources to his life. Parce qu'il y avait des entrées de ressources dans sa vie. People were ministering to Jesus. Il y avait des gens qui rendaient ministère à Jésus. And that was how he optimally operated his ministry. Et c'est comme ça qu'il a pu opérer dans son ministère. Now, what point am I making this morning? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Number one. Numéro un. Financial miracles. Les miracles financiers. They are wonderful. Sont merveilleux. They are necessary. Sont nécessaires. But you are never designed. Mais tu ne peux pas décerner. So live on financial miracles every day. Tu ne peux pas dépendre sur les miracles financiers tous les jours. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Financial miracles are wonderful. Les miracles financiers sont merveilleux. They are necessary. C'est nécessaire. But you are not designed to live on financial miracles every day. Mais nous ne pouvons pas dépendre afin de vivre des miracles financiers tous les jours. I hope you are with me this morning. Je pense que vous nous suivez ce matin. Financial miracles are wonderful. Les miracles financiers sont merveilleux. They are necessary. C'est nécessaire. But you are not designed to live on financial miracles every day. Mais nous ne sommes pas conçus pour vivre avec des miracles financiers tous les jours. Number two. Numéro 2. You cannot fall your arms. Tu ne peux pas croiser tes bras. Doing nothing. En ne faisant rien du and tout. And expect money to keep coming every day. Et t'attendre à ce que l'argent vienne à toi tous les that jours. That will be financial irresponsibility. Parce que ça sera de l'irresponsabilité financière. You cannot just fold your arms. Tu ne peux pas croiser tes bras. And you are doing nothing. Tu ne fais rien du tout. And you expect money to keep coming to your life. Et tu t'attends à ce que l'argent vienne à toi tous les that jours. That is financial irresponsibility. On appelle cela de l'irresponsabilité that financière. That is not how God operates. Ce n'est pas comme ça que Dieu opère. There's no way you read inside the Bible. Il n'y a pas moyen que tu lises dans la Bible. That just fold your hands and sit down. Il y a des gens qui étaient assis qui n'ont rien fait. And every day money will come in your direction. Et tous les jours l'argent venait dans leur direction. That is not the blessings of God comes. C'est pas comme ça que la bénédiction de Dieu vient. That understanding must be clear to us. Et cette compréhension doit être claire en nous. Number three. Numéro 3. There must be an established system. Nous devons établir un système. There must be an established system. Nous devons mettre en place un système. So we there's a continuous flow of finances into our lives. Permettons d'assurer des entrées continues en termes d'argent dans there nos vies. There must be an established system. Il doit avoir un système établi. So we there's a continuous flow of finances into our lives. À travers lequel il y a un flux continu des finances dans nos vies. That is how God operates. Car c'est comme ça que Dieu that opère. That is how the blessings of God will come to c'est your life. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu viendra vers there nous. There must be an established system. Il doit y avoir un système établi. Through which finances will come into your life. À travers lequel les finances viendront à nous. And the more of those systems you have. Et plus tu as établi ces systèmes. The more blessed you will become. Plus tu seras béni en Dieu. The more you can create those systems. Plus tu peux créer ces systèmes. The more you can create those
avenues, plus tu peux créer ces moyens, the money comes into your life, l'argent viendra à toi, the more blessed you will become, et plus tu seras béni. Number four. Numéro 4. Many times, la plupart des temps, financial miracles, les miracles financiers, comes as a starting point, viennent comme un point de départ, of an established system, d'un système établi, that is bringing money into our lives, qui apportera continuellement de l'argent so dans nos vies. Every time there's a financial miracle, donc toute fois qu'il y a un miracle financier, what God wants to do with that miracle, ce que Dieu veut faire à partir de ce miracle, is to begin an established system, c'est de te donner un point de départ. It's a starting point for you. C'est un point de départ pour toi. We saw the case of this widow. On a vu l'histoire de cette femme. After the miracle happened, après que le miracle se produise, she was not supposed to go for that miracle again. Elle n'est pas supposée repartir dans le même miracle. She was supposed to begin the process from that point. Elle était supposée commencer un autre processus par les so many times miracles will come. Donc la plupart du temps que nous aurons des as miracles, a starting point, cela viendra comme un point de départ. For an established system in your life. Un système établi dans ta vie. Don't expect that today there's a miracle. Donc ne t'attends pas parce qu'aujourd'hui il y aura un miracle. Tomorrow there'll be a miracle. Demain il y aura encore un miracle. You need miracle to pay school fees. Tu as besoin de miracle pour payer les miracle droits to pay us rent. Miracle pour payer le loyer. You can't live your life that way. Tu ne peux pas vivre comme ça. It's a frustrating way to live. Ça sera une vie de frustration. Because there's no certainty to it. Parce qu'il n'y a aucune certitude dans there ces choses. There must be an established system. Il doit y avoir un système établi. Number 5. Numéro 5. Financial miracles. Les miracles financiers are designed to bring us out of a desperate situation. Sont conçus pour nous sortir d'une histoire ou d'une situation désespérée. Financial miracles. Les miracles financiers are designed to bring us out of a desperate situation. Sont conçus pour nous sortir des histoires ou des situations désespérées. But you cannot expect God. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce so Dieu. Sponsor an irresponsible life. Puisse continuer à sponsoriser une vie irresponsable. You can't expect God. Tu ne peux pas t'attendre à ce que so Dieu sponsor an irresponsible puisse life. Continuer à soutenir une vie irresponsable. Please, look at a man by your side. S'il te plaît, regarde ton voisin. Look at any man by your side. Regarde cet homme qui est près de toi. Are you working? Dis-lui, est-ce que tu travailles? Please ask somebody. Demande à ton voisin. What are you doing? Que fais-tu? Are you working? Est-ce que tu travailles? Or you're just sleeping at home? Ou tu restes seulement à la maison? Hallelujah. Amen. So financial miracles. Donc les miracles financiers. Is to bring us out of a desperate or tight situation. C'est pour nous sortir des situations désespérées. But you cannot expect God to keep sponsoring an irresponsible life. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu puisse soutenir une vie irresponsable. There must be a system by which the blessings of God il will locate you. Il doit y avoir un système par lequel la bénédiction de Dieu and te parvient. So I'm going to show you a couple of channels. Donc ce mois nous allons vous montrer quelques canaux. Through which we access the blessings of God. Et ce matin des voies par lesquelles vous allez accéder à la bénédiction de Dieu. We access the returns on our giving. Nous pouvons accéder au retour de notre investissement dans le royaume. Number one. Numéro 1. It's through the rain of divine ideas. C'est au travers de la pluie des idées divines. The rain of divine ideas. La pluie des idées divines. Divine ideas will come on your life. Les idées divines viendront dans votre and vie. By divine ideas, et par ces idées divines, you can access the blessings of vous God. Pourriez accéder à la bénédiction in de Genesis Dieu. Chapter 30, Genèse chapitre 30, the story of the man called Jacob. Il y a l'histoire d'un homme appelé Jacob. Jacob was serving his father-in-law. Jacob servait son beau-père. He has served the father-in-law for 20 years. Il a servi pendant 20 ans. 7 years to marry the first daughter. 7 ans pour épouser sa première fille. 7 years to marry the second daughter. 7 ans pour épouser sa deuxième fille. Then 6 extra years. Et 6 ans de plus. He was serving his the father-in-law Jethro. Il était en train de servir Laban son beau-père Jethro. As Laban, rather. Laban, pardon. And as he was serving this man. Et lorsqu'il servait cet homme. A time came in his life. Un temps est arrivé dans sa vie. He said, "When will I prepare for my house?" Il dit, mais à quel moment vais-je me préparer pour ma maison? I serve you for 20 years. Je t'ai servi pendant 20 ans. There's nothing to show for it. Il n'y a rien que je peux montrer à when cela. Will I begin my own life? Alors, à quel moment vais-je commencer ma and propre God vie? Gave Jacob an idea. Et Dieu donna à Jacob une idée. So he went to the father-in-law. Il est allé voir son beau-père. And he said to the father-in-law, il dit à son beau-père, this particular type of animals, ce type d'animal particulier, can you give them to me? Est-ce que tu peux me le donner? So that they become my own. Pour qu'ils deviennent ma possession. And without hesitation, alors sans hésiter, Laban agreed.
Laban était d'accord. But God gave him an idea. Mais Dieu lui a donné une idée. And by that idea that God gave Jacob, et par cette idée que Dieu a donnée à Jacob, he began to produce that same type of animals. Il a commencé à produire ce même type d'animaux. And by that idea, et par cette seule idée, Jacob became richer than Laban. Jacob devint plus riche que son beau-père. So one idea from God, donc une seule idée de Dieu, can change your life. Peut changer ta vie tout entière. One idea from God, une seule idée de Dieu, can change the course of your life. Peut changer le cours de ta vie tout entière. One idea from God, une seule idée de Dieu, can change the course of your business. Peut changer les événements de tes one affaires. One idea from God, une seule idée de Dieu, can change the story of your peut life. Peut changer toute l'histoire d'une vie. Now, what is about ideas? Qu'en est-il des idées? Ideas bring about new products. Une idée apporte un nouveau produit. New concepts. Un nouveau concept. Improvements on your existing products. L'amélioration sur les produits existants. So generate wider profit and acceptance. Pour générer de meilleurs profits. What is an idea? C'est quoi donc une idée? Doing what has never been done before. C'est faire ce qui n'a jamais été fait auparavant. So generate profit that has never been generated before. Pour générer de profits qui n'ont jamais été générés auparavant. That's what ideas does. C'est ce que peut faire une idée. What is an idea? C'est quoi une idée? Doing things in a way. C'est faire une chose d'une manière. It has never been done before. Qui n'a jamais été fait auparavant. Doing things in a way. Faire les choses autrement. It has never been done before. De façon que cela n'a jamais été fait auparavant. Many are stranded financially. Plusieurs sont bloqués financièrement. Because we are hooked on our old ways of doing things. Parce que nous nous accrochons aux vieilles manières de faire. Said, there's a spirit in man. La Bible dit qu'il y a un esprit en l'homme. And the inspiration of the Almighty. Et l'inspiration du Très-Haut. Give them understanding. Qui lui donne l'intelligence. There's a spirit in man. Il y a un esprit dans l'homme. And the inspiration of the Almighty. Et l'inspiration du Très-Haut. Give them understanding. Qui lui donne l'intelligence. In your job. Dans ton travail. There are new ideas. Il y a de nouvelles idées. In your business. Dans tes affaires. There are new ideas. Il y a de nouvelles idées. You work in an office. Tu travailles quelque part dans un bureau. You've been working for government for 20 years. Tu travailles pour le gouvernement pendant 20 ans. You have been working for 30 years. Tu travailles pendant 30 ans. Can something else come out of your life? Y a-t-il quelque chose de nouveau qui peut sortir de toi? Can something else y a-t-il quelque chose de nouveau come out of your life? Qui peut sortir de toi? Can something that you've never done before y a-t-il quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant come out of your life? Qui puisse sortir de ta because vie? Because what you don't expect, you can't experience. Parce que ce à quoi tu ne t'attends pas, tu ne peux pas l'expérimenter. So expect the ideas to come out of donc your tu life. Dois t'attendre à ce que de nouvelles idées viennent à toi. Everything we'll see here today, tout ce que nous voyons aujourd'hui is a part of somebody's idea. N'est que le produit de l'idée d'une personne. Television did not fall down from heaven. La télévision n'est pas tombée du the clothes in your body, les vêtements que vous portez, did not fall down from heaven. Ne sont pas tombés du ciel. That chair you are sitting on, et même la chaise sous laquelle did vous êtes not assis, come down from heaven. Ça ne vient pas du ciel. Creation is still continuing. La création est continuelle. I'll be here with me this je pense que vous me suivez. Creation has not ended. La création n'est pas finie. Creation is still continuing. La création continue. After 7 days, après 7 jours, God completed the creation. Dieu a terminé la création. And after that time, mais depuis ce jour, God has not created any other thing. Dieu n'a plus créé quoi que ce soit. Everything we see today, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, is a creation of man. N'est que le produit de la création d'un homme. Everything we see today, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, is a creation of man. Ce n'est que la création d'un homme. Can something begin from your life? Y a-t-il quelque chose qui peut sortir can de toi? God's creation continue in y a-t-il your life? Cette création qui peut continuer de ta vie? That's what we're saying this morning. C'est ce que nous essayons de dire ce that matin. Something great will come out of my life. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de ma a vie. Product that others will pay for. Un produit que les autres vont acheter. Will come out of my life. Cela va sortir de ma vie. Please put your hand on your head. Mets ta main sur ta tête, s'il te plaît. My life is not empty. Ma vie n'est pas vide. Something great will come out of quelque my life. Chose de nouveau va sortir de ma vie. Creation will continue from me. La création va continuer à partir creation de moi. Creation will continue from me. La création va continuer creation à partir de moi. Continue from me. La création va continuer à partir de moi. I will not be stranded in life. Je ne serai plus bloqué dans ma vie. Something that eyes have not seen. Quelque chose que l'œil n'a point that vu. That ears have not heard. L'oreille n'a pas entendu. Will come out of my life. Va sortir de ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. As I declare this morning. Tel que tu l'as déclaré ce matin. So it is done. Ainsi soit-il. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Why do businesses close? Pourquoi il y a des affaires qui ferment? Why do businesses fold up? Pourquoi il y a des affaires qui stagnent? It's either out of mismanagement. C'est soit à cause de la mauvaise gestion. Or lack of relevance. Soit à cause
du manque de pertinence. When a business lacks relevance, lorsqu'une affaire manque de pertinence, they will eventually fall down. Il va finir par s'écrouler. Now, several years ago, plusieurs années passées, we had the BlackBerry phone. On avait le téléphone BlackBerry. How many of us use BlackBerry? Combien de personnes ont vu le BlackBerry? Use BlackBerry. Est-ce que tu as utilisé le BlackBerry? So where is BlackBerry now? Mais où pouvons-nous encore trouver BlackBerry? Where is BlackBerry now? Où est BlackBerry aujourd'hui? In those days, you don't have BlackBerry, you don't have phone. En ces jours-là, si tu n'avais pas le BlackBerry, tu n'as pas de téléphone. But if they give it up the BlackBerry now, mais aujourd'hui, si on te l'apporte, you won't take it. Tu ne vas plus le prendre. Because several ideas, parce qu'il y a plusieurs idées, have overtaken BlackBerry, qui ont dépassé le modèle when BlackBerry. Your business does not evolve, pour là où tes affaires ne s'impliquent pas, it will close up. Ça va fermer. When your business, lorsque tes affaires does not evolve, ne s'impliquent pas dans la you continuité, live in a changing world. Tu vis dans un monde en perpétuel devenir. Even at the way you make hair is changing. Et même la manière dont tu tresses, ça the change. Way you soak clothes is changing. La manière dont tu coules les habits, ça change. Praise the Lord. Alléluia. Some clothes that were sold for me, I can never wear those clothes. Il y a des vêtements qu'on a cousus des années passées. Aujourd'hui, je ne peux plus les porter. Because the way they do the finishing. Parce que la manière dont on avait fait les finitions là. This one is in Brazzaville. Aujourd'hui là, je ne pouvais plus le porter. Et c'est pas parce qu'on trouve à Brazzaville. So you must evolve. Donc tu dois t'impliquer. You must evolve. Tu dois t'y impliquer. As a person. En tant que personne. Your life must evolve. Ta vie doit s'impliquer. And because by divine ideas. Pourquoi par des idées divines? Something changing about you. Quelque chose doit changer en toi. Not as it is before, so it shall be forever. C'est pas comme c'était auparavant que ça sera pour toujours. Put your hand on your head again. Mets encore ta main sous ta tête, s'il te plaît. My life is open to ideas. Ma vie est ouverte aux idées divines. My life is open to ideas. Ma vie est ouverte aux idées divines. To ideas. Ma vie est ouverte aux idées divines. I will not be stagnant in life. Je ne serai pas stagné dans I will la not vie. Be stagnant in life. Je ne serai pas stagné dans la I vie. Will not be stagnant in life. Je ne serai pas stagné dans la if vie. Ideas are coming out of my parce life. Que les idées divines coulent dans ma I vie. Will not be stagnant je in ne life. Serai plus stagné dans ma vie. As you declare it, tel que tu l'as déclaré, so it is done. Ainsi soit-il. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Number two. Numéro 2. It's through the blessings of the work of your hands. C'est par la bénédiction de l'œuvre de tes mains. God bless you through the work of our hands. Dieu nous bénit par les œuvres de nos mains. There must be something that you are doing. Il y a certainement quelque chose que tu fais. That attracts the blessings of God. Qui attire la bénédiction de Dieu. And for someone in this morning, et pour quelqu'un en ce culte de ce matin, every yoke of joblessness, tout joug de chômage, is over your life today. Est brisé de ta vie. Every yoke of joblessness, tout joug de chômage, is over your life est today. Est brisé de ta vie. Every yoke of joblessness, tout joug de chômage, is over your life est brisé today. De ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus in le Job Christ. Chapter 1, Job chapitre 1. Job chapter 1 verse 9. Job chapitre 1 le verset 9. This is a testimony of the devil concerning Job. Voici le témoignage du diable concernant said, Job. Thou hast blessed the work of his hands. Il dit mais tu as par contre béni l'œuvre de ses mains. Thou hast blessed the work of his hands. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Then Satan answered the Lord and said. Et Satan répondit à l'Éternel et Job lui dit. Job fear God for naught. Est-ce que Job te craint d'une manière désintéressée? And hedge about him. Ne l'as-tu pas protégé? And about his house. Lui et sa maison. And about all that he has on every side. Et tout ce qui est à lui. Thou hast blessed the work of his hands. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Thou hast blessed the work of his hands. Tu as béni l'œuvre de ses mains. There must be a work of your hands. Il doit y avoir l'œuvre young de tes mains. Go and learn how to sew something. Va quelque part et apprends à faire go quelque and chose. Learn a trade. Va apprendre quelque you chose. Must learn something. Tu dois apprendre quelque chose. Yes, maybe you didn't go to school. Oui, peut-être que tu n'as pas fait l'école. But you can learn tailoring. Mais tu peux apprendre comment you coudre can les habits. How to make hair. Tu peux apprendre comment tresser les so cheveux. Don't just sit down and say there's nothing that I'm doing. Ne t'assieds pas en disant que je n'ai rien it à faire. It is forbidden to stay that way. Car c'est interdit de rester it sans rien faire. Thou hast blessed the work of his hands. Et quand tu as béni l'œuvre de it tes mains. Whatever you lay your hands upon. Tout ce que sur lequel tu imposeras tes mains. It shall prosper. Cela va prospérer. Whatever you lay your hands upon. Toute chose sur laquelle tu mettras tes mains. See, you are a covenant child. Écoute, tu es un enfant d'alliance. It doesn't matter what you do. Peu importe ce que tu fais. As long as it's legitimate. Aussi longtemps que cette chose est légitime. It will prosper. Ça va prospérer. So whatever your hands finds to tout do. Tout ce que tu trouves à faire. Whatever your hands finds to tout do. Tout ce que tes mains peuvent faire. So your hands must find something to do. Donc tes mains doivent trouver quelque chose à faire. In fact, God's word tells us. Et d'ailleurs, la Bible nous dit said, d'ailleurs. If a man does not walk. Si un homme ne travaille pas. He should not eat. Qu'il ne mange pas.
If a man does not work, si un homme ne travaille pas, he should not eat. S'il ne mange pas, if your wife is working, si ton épouse, ta and femme your travaille, wife is feeding you, et ta femme te nourrit, honestly, it's a privilege. C'est un privilège, honnêtement. One day she not feed you. Mais un jour si elle ne te nourrit pas, comment tu vas faire? I'm not the one that says so. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. The Bible says so. La Bible dit. 2 Thessalonians. 2 Thessaloniciens. Chapter 3, verse 10. Chapitre 3, le verset 10. 2 Thessalonians. 2 Thessaloniciens. Chapter 3. Chapitre 3. And verse 10. Le verset 10. For even when we were with you, car lorsque nous étions chez vous, we made this commandment to you, nous vous disions expressément, that if any will not work, si quelqu'un ne veut pas travailler, neither should he eat. Qu'il ne mange pas non plus. He should not eat. Qu'ils ne mangent pas. So every time they are feeding you, donc toute fois qu'on te nourrit, say, Father, deliver me. Ah, tu dis Seigneur, délivre-moi. Hallelujah. Amen. And so, once you receive this word with faith, donc une fois que tu reçois cette parole avec foi, we argue with that word. Tu ne discutes pas, yeah, tu we ne argue débats with pas. It. Tu ne dois pas faire de but débat. Once you receive it by faith, mais lorsque tu reçois cette parole God avec will confirm foi, it in your life. Je vais le confirmer sur God, ta vie. I must not be jobless. Seigneur, je ne dois pas être chômeur. By the grace of God, par la grâce de ever Dieu, since I left university, tout depuis que j'ai quitté l'université, I've never been jobless. Je n'ai jamais été au chômage. It may not be what you want at that point. Ce n'est peut-être pas ce que tu veux à ce moment-là. But it's something that will bring money to your life. Mais c'est quelque chose qui peut t'emmener quelque chose dans you ta vie. You can start from somewhere. Tu peux commencer de quelque expecting part. Expecting what you want. En t'attendant à ce que tu désires. But it is wrong not to work at all. Mais c'est mauvais de ne rien faire. It is wrong. C'est mauvais. For those who are ladies. Pour ceux qui sont dames, femmes. For women. Pour les femmes. The purpose of working. Écoute, le but du travail. It's not just to get money. Ce n'est pas seulement d'obtenir de l'argent. But for social relevance. Mais c'est pour de l'importance vis-à-vis des autres socialement. Even if your husband is very rich. Même si ton mari est très riche. Please don't sit down at all. S'il te plaît, ne reste pas à la maison ne faisant rien. Even if your husband is very rich. Même si ton mari est très riche. One day will remind you it's my money. Un jour. One day will remind you. Un jour il va te rappeler. It's my money. Que c'est son argent. So no matter how rich the man is. Donc peu importe combien ton mari est riche. Tell the man. Dis à ton mari. Open the shop for me. S'il te plaît, tu peux m'ouvrir une boutique. Open the shop for me. Ouvre-moi une boutique. Yeah, because in this environment. Écoute, dans cet environnement. You know the things that happen here. Vous connaissez les choses qui se passent. And so you must work. Donc tu dois travailler. So me, I must work. Dis avec moi, je dois travailler. I must work. Je dois travailler. I must work. Je dois travailler. I must work. Je dois travailler. I'm not hearing you. Je ne t'entends pas. I must work. Je dois travailler. I must work. Je dois travailler. My hands will not be empty. Mes mains ne doivent pas être vides. Please say this morning, though. Dis cela s'il te plaît, oh. I must work. Je dois travailler. My hands must not be empty. Mes mains ne doivent pas être vides. I must work. Je dois travailler. My hands must not be empty. Mes mains ne seront pas vides. Whatever you lay your hands upon, tout sur lequel tu poses tes mains, it says it shall prosper. La Bible dit que cela va prospérer. Everything you lay your hands upon, toute chose sur laquelle tu poses tes mains. In the next 7 days, et dans les 7 jours à venir, anoint your hand every morning. S'il te plaît, tu vas oindre tes mains in tous les matins. 7 days, dans les jours, les 7 jours à venir, anoint your hand every day. Oint tes mains sur tous les matins. And say every morning, et tu vas déclarer sur tes mains. This hand will not be empty. Mes mains ne seront jamais vides. This hand will be productive. Mes mains seront productives. This hand will be creative. Mes mains seront créatives. This hand will not be empty. Mes mains ne seront pas vides. This hand will be productive. Mes mains seront productives. That is how God blesses. C'est comme ça que Dieu nous bénit. He'll give you understanding. Que Dieu vous accorde la compréhension. And about 3 this morning, numéro 3 ce matin, before up in this first service, it's through divine direction. C'est à travers la direction God himself divine. Guiding us. C'est Dieu lui-même qui te dirige. God leading us by his spirit. C'est Dieu lui-même qui te dirige par son God esprit. Guiding us by his spirit. C'est Dieu qui nous dirige par son esprit. For as many as are led by the spirit. Car pour tous ceux qui sont conduits par son they esprit. They are the sons of God. Ils sont des fils de Dieu. God guiding us to where the blessings are waiting. Dieu nous dirige vers là où se trouvent nos bénédictions. And you must embrace God's direction for your life. Et tu dois embrasser la direction divine. God will guide you to beside the sea waters. Car Dieu va te conduire vers les eaux paisibles. He said, "The Lord is my shepherd." Car l'Éternel est mon berger. I shall not want. Je ne manquerai de rien. He leads me beside the sea waters. C'est lui qui me conduit vers les eaux paisibles. The Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. L'Éternel Dieu est mon berger. I shall not want. Je ne manquerai de rien. Verset make me to lie down in great pastures. C'est lui qui me fait reposer vers les verts pâturages. He leads me beside the sea waters. Il me dirige près des eaux paisibles. He restores my soul. Il restaure mon âme. He leads me in the path of righteousness. Il me conduit dans les sentiers de la justice. For his name's sake. À cause de son nom. He says, "Yea, that I walk through the valley of the shadow." Tant bien même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. I will fear no evil. Je ne craindrai aucun mal. For thou art with car me. Car tu es avec moi. Thy rod and thy staff. Ta houlette et ton bâton. They comfort me. Sont ce qui me rassure. And as God is guiding us. Et pendant que Dieu nous dirige.
riche. Verse 5. Le verset 5. Thou preparest a table tu dresses devant moi une table. In the presence of my enemies. En face de mes adversaires. Thou anoints my head with oil. Tu ointules ma tête. My cup runneth over. Et ma coupe déborde. And as God is guiding you. Et pendant que Dieu te dirige. Verse 6. Le verset 6. Surely. Oui. Surely. Oui. Goodness and mercy. Le bonheur et la grâce shall follow me. T'accompagneront all the days of my life. Tous les jours de ta vie. And I will dwell et tu habiteras in the house of the Lord. Dans la maison de l'Éternel. So every day, donc tous les jours, goodness and mercy can follow le bonheur et la grâce peuvent t'accompagner. Every day, tous les jours, goodness and mercy le bonheur et la grâce can follow you peuvent t'accompagner. As you follow his guidance, pendant que tu suivras sa direction, he will guide you to where the blessings are waiting. Il te conduira vers là où se trouve ta bénédiction. He will guide you on every aspect of your business. Il te conduira dans tous les affaires, dans tous les aspects de tes affaires. Your career. Il va te conduire dans ta carrière. And as you follow God, et pendant que tu suis Dieu, blessings will follow la you. Bénédiction va te suivre. As you follow God, pendant que tu suis Dieu, blessings will follow la bénédiction you. Te suivra derrière. I said it again last Wednesday. Je l'ai dit le mercredi dernier. The blessings of God are everywhere. Les bénédictions de Dieu sont partout. In Ghana. Au Ghana, blessings are there. Il y a des bénédictions de Dieu. In France, en France, blessings are there. Il y a des bénédictions de Dieu. In Senegal, au Sénégal, blessings are there. Il y a des bénédictions de Dieu. But understand one thing. Mais tu dois comprendre une chose. Your own blessing, la bénédiction de Dieu pour toi, may not be there. N'est peut-être pas au Ghana. So guidance ensures donc la direction de Dieu that you locate where your own blessing will be found. Qu'il t'emmène là où se trouve ta bénédiction à and toi. As you follow God, et lorsque tu suis as Dieu, you follow his guidance, lorsque tu suis sa direction, he says surely, il dit oui, goodness and mercy, le bonheur et la grâce shall follow you. T'accompagneront. Hallelujah. Amen. Covenant of open doors. Journée d'alliance des portes ouvertes. As the presence of God goes before pendant you, que la présence de Dieu t'accompagne, doors will open for you. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Of course, as you follow God, et pendant que tu suis Dieu, his presence will go with sa you. Présence t'accompagne. He said, who are thou mountain? Il dit, qui es-tu, grande montagne? Before Zerubbabel. Devant Zerubbabel. He said, be thou lifted up. Alors sois aplani. She everlasting doors. Sois porte éternelle. That sois the élevée. King of glory may pour go que le roi de gloire fasse so the key to your open door. Donc la clé à tes portes is the presence of God. C'est la présence de Dieu. That goes with you everywhere you go. Qui t'accompagne partout où tu the vas. Key to your open door. La clé à ta porte ouverte. Is the presence of God. C'est la présence de Dieu. As you go for the interview. Pendant que tu vas pour les interviews. His presence will go with sa you. Présence t'accompagne. As you go for the business. Pendant que tu vas faire tes affaires. His presence will go sa with présence you. T'accompagne. And when his presence is going with et lorsque sa présence t'accompagne. The doors must open before les you. Portes ne peuvent que s'ouvrir. In Psalm 114. Psalm 114. From verse 1. Le verset 1. It says, when Israel went out of Egypt. Lorsque Israël sortit d'Égypte, the house of Jacob, la maison de Jacob, from a people's strange language, lorsqu'il s'éloigna d'un peuple barbare, he said Judah was his sanctuary, verset 2, Judah devint son sanctuaire, and Israel his dominion, Israël fut son domaine, the sea saw it, la mer le vit, and fled, et s'enfuit, he said Judah was driven back, le Judah retournait en the arrière, the mountains skipped like rams, les montagnes sautèrent comme des béliers, and the little is like lambs, et des collines comme des agneaux, he said what held thee, O thou sea, il dit qu'as-tu, ô mer, pour t'enfuir, that thou fledest, pour t'enfuir, thou Jordan, Jourdain, that was driven back. Pour retourner en arrière. He said, ye mountains. Qu'avez-vous montagnes? That ye skip like rams. Pour sauter comme des béliers. And ye little is like lambs. Et vous collines comme des agneaux. He said, tremble thou art. Alors tremble. At the presence of the Lord. Devant le Seigneur. At the presence of the God of Jacob. Au terre devant le Dieu de Jacob. And so as you go. Donc pendant que tu t'en vas. As you go with his presence. Pendant que tu vas accompagner de sa before présence. Before you get there. Avant que tu n'y arrives. Doors will open for les you. Les portes ne pourront que s'ouvrir he d'elles-mêmes. Says, I will make the crooked il dit quand j'aplanirai les chemins mon Dieu, I will go before you. Je marcherai devant toi. I will cut in sunder et je briserai the bars of iron. Les verrous de fer. That's what God has said. C'est ce que Dieu t'a dit. As he goes before you, pendant qu'il t'accompagne, the doors will open. Les portes vont s'ouvrir. Every office you enter, tout bureau dans lequel tu entres, the doors will open for les you. Portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. The doors of that business, les portes de tes affaires will open afresh on your life vont s'ouvrir fraîchement à partir de in ce matin. The name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. And so how do I continue to enjoy open doors? Alors,
Comment puis-je me réjouir continuellement des portes ouvertes? One, you must be born again. Numéro un, tu dois naître de nouveau, évidemment. And remain so. Et demeurer un né you de must nouveau. Be born again. Tu dois naître de nouveau. And you must remain so. Et le deux et le rester. Number two, numéro deux. Continue in the fear of the Lord. Tu dois continuer dans la crainte de Dieu. Continue to walk in the fear of the tu Lord. Tu dois continuer de marcher dans la crainte du Joseph Seigneur. Joseph walked in the fear of the Lord. Joseph a marché dans la crainte de and Dieu. The prison doors open for et les him. Portes de la prison s'ouvrirent pour lui. The palace also open for him. Le palais s'est ouvert pour lui. Number three, numéro 3. Remain in love with God. Tu dois demeurer un amoureux de Bible Dieu. Says, and we know that all things work together car la Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. God. Au bien de ceux qui aiment for Dieu. Them who are called et de ceux qui sont appelés according to his purpose. Selon son dessein. Number four, numéro 4. Lay hold on the right word. Tu dois saisir les bonnes paroles. Lay hold on the right word. Tu dois saisir les bonnes paroles. Concerning the door you desire to see open. Concernant les portes que tu désires voir être ouverte. Lay hold on the right word. Tu dois saisir les bonnes paroles. Concerning the doors. Concernant les portes. You desire to open. Que tu désires voir être ouverte. It says heaven and earth shall pass away. La Bible dit que le ciel, la terre passeront. But my word will not pass mais away. Mes paroles ne passeront concerning jamais. Concerning that door you are trusting God concernant to open. Cette porte que tu désires s'ouvrir. What is that word that God has given you? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? That specific word you are holding on. Quelle est cette parole à laquelle tu t'accroches? And when God opens. Et lorsque Dieu l'ouvre. Nobody can shut. Personne ne pourra la fermer. When God opens, lorsque Dieu ouvre la porte, no one can shut. Personne ne pourra la refermer. When God opens, lorsque Dieu ouvre la porte, no one can shut. Personne ne pourra la refermer. When God opens, lorsque Dieu ouvre la porte, no one can shut. Personne ne peut la refermer. And in this service this morning, et en ce culte de ce matin, God will open a fresh Dieu for va ouvrir fraîchement de nouvelles God portes. Will open a fresh for Dieu you. Va ouvrir de nouvelles portes pour in toi. The name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. He said, "Behold, I go before you." Il dit, voici, je marche devant toi. That's what God is saying this c'est morning. Ce que Dieu nous dit ce matin. I will go before you. Je marcherai devant toi. Isaiah 45. Ésaïe 45. And verse 2 as I close. Le verset 2 pendant que je clôture. Isaiah 45. Ésaïe 45. And verse 2. Le verset 2. Hallelujah. Amen. Let's read from verse 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Thus saith the Lord. Ainsi parle l'Éternel. To his anointed to Cyrus. À son oint Cyrus. Whose right hand I am holding. Qu'il tient par la main. To subdue nations before him. Pour terrasser les nations devant lui. And I will loose the loins of kings. Et pour relâcher la ceinture des rois. So open before him the two little gates. Pour lui ouvrir les portes. And the gates shall not be shut. Afin qu'elles ne soient plus fermées. And verse 2. Le verset 2. I will go before thee. Je marcherai devant toi. I thought you say amen to that. Je croyais que tu dirais amen à cela. I will go before je thee. Marcherai devant toi. I will make the crooked places j'aplanirai les chemins montueux. I will break in pieces. Je romprai the gates of brass. Les portes des reins. And cut in sunder. Et je briserai les verrous de fer. Le verset 3. And I will give thee c'est ainsi que je te donnerai the treasures of les trésors cachés and hidden riches des richesses enfouies secret places des richesses enfouies that thou mayest know afin que tu saches that I, the Lord, que je suis l'Éternel name, qui t'appelle par ton nom I'm the God of winners. Et l'Éternel le Dieu des vainqueurs I am the God of winners. Je suis le Dieu des vainqueurs I will go before you. Je marcherai devant toi I will make the crooked places straight. J'aplanirai les chemins montueux I will break in pieces. Et je briserai the gates of brass. Les portes des reins I will cut in sunder. Et je couperai the bars of iron. Tous les verrous de fer I will give the treasures of darkness. Je te donnerai les trésors cachés hidden riches or secret places. Et même des richesses enfouies this week as you enter cette semaine pendant que tu y rentreras from unexpected même sources, des sources inattendues blessings will come la bénédiction de Dieu va t'atteindre from unexpected places, des sources auxquelles tu ne t'attendais pas will open for les you. Portes vont s'ouvrir pour as toi step into this week, pendant que tu entres cette nouvelle semaine for God. Tu vas te souvenir les gens se souviendront de toi Jesus, dans le nom de Jésus Christ every business door, toutes les personnes qui sont dans les affaires life, les portes qu'on a fermées dans ta I vie je me tiens dans les chaussures de les faire cueillir des pots. Et je déclare ces portes ouvertes. Que ces portes soient ouvertes. Plus large qu'auparavant. Plus large qu'auparavant. Plus large qu'auparavant. Plus large qu'auparavant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Tu vas te lever avec moi ce matin. Tu vas déclarer. Bigger than before. Tes portes seront ouvertes plus larges. De plus larges portes. Bigger than before. Elles seront plus larges. Bigger than before. Elles seront plus larges. Déclare ça this morning. Déclare cela ce matin. Bigger than before. Les portes seront plus larges. Bigger than before. Les portes seront plus larges. Bigger than les before. Portes seront plus larges qu'auparavant. Bigger than before. Les portes seront plus larges qu'auparavant. Bigger than before. Les portes seront plus larges qu'auparavant. Let that be your confession this que cela devienne sa confession ce matin. That's a prophecy word this que
que cela devienne ta confession ce matin. Que ces portes s'ouvrent plus largement qu'auparavant. Plus large qu'auparavant. Plus grande qu'auparavant. Plus grande qu'auparavant. Plus grande qu'auparavant. Plus large qu'auparavant. Est-ce que tu es sûr de déclarer ce matin? Let's have hear your voice. Que le ciel écoute ta voix. Bigger than before. Plus large qu'auparavant. Bigger than ever plus large before. Qu'auparavant. The blessing coming this week. La bénédiction de Dieu qui arrive they cette semaine. Bigger than before. Elles seront plus larges qu'auparavant. Bigger than before. Ces bénédictions seront plus larges qu'auparavant. Are you sure that declared est-ce this que morning? Tu es sûr de déclarer ce matin? Demonstrate as you pray. Pendant que tu déclares, démontre bigger cela. Than before. Plus large, démontre, bigger démontre, than démontre, before. Démontre, plus large qu'auparavant. Bigger than before. Plus large, plus large, plus large. Bigger plus large. Than before. Plus large qu'auparavant. Bigger than before. Plus large qu'auparavant. Bigger than before. Plus large qu'auparavant. Let's have hear your voice. Que le ciel écoute ta voix ce matin. Bigger than before. Que les portes s'ouvrent plus largement qu'auparavant. Bigger than before. Qu'elles soient plus larges qu'auparavant. Bigger than before. Qu'elles soient plus larges qu'auparavant. What eyes have not seen before. Ce que l'œil n'a jamais vu. What ears have not heard ce que l'oreille n'a point entendu. They are open over my life today. Elles sont ouvertes sur ma vie. Bigger than ever before. Plus large que jamais auparavant. Bigger than before. Plus large que jamais auparavant. Bigger than before. Plus large que jamais auparavant. Father, we say thank you. Père, nous te disons merci. Blessed be your name. Béni soit ton nom. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I establish you over you this morning. J'établis sur ta vie ce matin. And I declare. Et je déclare. Bigger than before. Les portes seront plus larges qu'auparavant. Bigger than before. Plus larges qu'auparavant. Bigger than before. Plus grandes qu'auparavant. Bigger than before. Plus grandes qu'auparavant. Bigger than before. Plus grandes qu'auparavant. In the name of dans le nom de Jésus-Christ, open your business. Sur tes affaires, bigger than before. Les portes seront plus larges. Open your career. Sur ta carrière, bigger than before. De plus grandes portes s'ouvrent. Open your career. Sur ta carrière, bigger than before. De plus grandes portes s'ouvrent. Open your finances. Sur tes finances, bigger than before. De plus grandes portes financières s'ouvrent. And from today, et à partir d'aujourd'hui, surely, certainement, goodness and mercy, le bonheur et la grâce t'accompagneront in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Everywhere you go this week, partout où tu iras cette semaine, his presence will go sa présence t'accompagne. That doors will open les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Father, we'll say thank you. Père, nous te disons merci. All eyes closed, all eyes bowed. Alors fermons nos yeux, baissons nos têtes. If at this service this morning, si tu es parmi nous ce matin you dans ce know culte, that you are a sinner. Tu sais que tu as marché dans you le péché. Know you are not born again. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau. The door of your heart open for God. Tant que la porte de ton cœur n'est pas ouverte à your Dieu, destiny cannot open up. Ta destinée ne pourra pas s'ouvrir. And so this morning, donc ce matin, Jesus is knocking at the door of Jésus your heart. Frappe à la porte de ton he cœur. Said, if you open your heart, I will come in. Il dit, si tu ouvres ton cœur, j'y entrerai. And so your service this morning, et nous sommes dans ce culte ce matin. You know that you are a sinner. Tu sais que tu as marché dans le péché. You know you are not born again. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Put your hand on your chest. S'il te plaît, place ta main droite sur say, ta poitrine. I need Jesus in my et tu life. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi I ce matin. I know I'm a sinner. Je sais que je suis pécheur. I want to open my heart for je Jesus. Je veux t'ouvrir mon cœur ce matin pour put your hand on your chest. Place ta main droite sur ta poitrine. And if you have done so this et morning, si tu l'as fait ce matin, please come forward. S'il te plaît, viens devant. I want to lead it to Christ. Le pasteur va te conduire à Christ. Please come forward. Viens devant, s'il te plaît. I want to lead it to Jesus. Le pasteur va te conduire à Jésus. Your hand is on your chest. Ta main sur ta poitrine. Please come very fast. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Le pasteur t'attend, viens rapidement. Jesus is waiting for you. Jésus t'attend ce matin, viens rapidement. Jesus is waiting for you. Jésus t'attend, viens rapidement. Please come, my sister. Viens rapidement, mon frère. Please come, my brother. Viens rapidement, ma sœur. God is waiting for you this morning. C'est Jésus qui t'attend ce matin. Please come, God is waiting for you. Viens rapidement, viens rapidement, s'il te plaît. God bless you, my sister. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. God is waiting for you. Que Dieu te bénisse, Dieu t'attend. Jesus is waiting for you. C'est Jésus qui t'attend ce matin. Jesus is waiting this morning. C'est Jésus qui t'attend ce matin. Jesus is waiting this morning. C'est Jésus qui t'attend ce matin. Jesus is waiting this morning. C'est Jésus qui t'attend ce matin. Jesus is waiting this morning. C'est Jésus qui t'attend ce matin. I'm still waiting for somebody. J'attends quelqu'un encore. God is waiting for you right now. C'est Jésus qui t'attend ce matin. Come to Jesus. Viens à Jésus, mon frère. He will save your soul today. C'est lui qui va sauver ton âme. That sister, you still need to come. Ma sœur, tu dois venir. You arrive. Say this, I'm waiting for you right now. Je t'attends encore. I'm waiting for you right je now. Je t'attends encore ce matin. Jesus is waiting for Jésus you. Jésus t'attend. The blood of Jesus. Le sang de Jésus is available this morning. Est disponible pour toi. Hallelujah. Amen. Church, let's take our seats. Église, prenez place s'il vous plaît. As we lead this one to Christ. Pendant qu'on va conduire nos frères et sœurs à Christ. Please put your hand on your chest. Placez votre main droite sur votre poitrine s'il vous plaît. And pray this prayer after me. Et vous allez prier après moi. Say with me, thank you Jesus. Dites merci Jésus. For dying on the cross for me. D'être mort à la croix pour moi. I know I'm a sinner. Je sais que je suis pécheur. Jesus, Jésus, come to my heart today. Viens dans mon cœur aujourd'hui.
and save my soul. Et sauve mon âme. I confess with my mouth. Je confesse de ma bouche. You died for me. Tu étais mort pour moi. You resurrected for me. Tu étais ressuscité pour moi. From today. À partir d'aujourd'hui. I receive you. Je te reçois. As my Lord. Comme mon Seigneur. And my Savior. Et mon Sauveur. Holy Spirit of God. Saint-Esprit de Dieu. Take over my life. Prends le contrôle de ma vie. From today forward. À partir d'aujourd'hui et désormais. Thank you, Jesus. Merci Jésus. For saving my soul. De sauver mon âme. I'm born again. Je suis né de nouveau. I'm a child of God. Je suis enfant de Dieu. Father, we say thank you. Le pasteur prie pour vous, Père, merci. Thank you for this precious life. Merci pour ces âmes précieuses. No one can come except you. Personne ne vient si tu ne l'attires. We ask that your hand of blessing. Nous prions que ta main de bénédiction rest over their life from today. Demeure sur leur vie the à partir d'aujourd'hui. Power of Satan is broken over la their puissance life. De Satan est brisée the de leur vie. Power of sin is broken over la them. Puissance du péché est brisée de leur thank vie. You because you have done merci it. Parce que tu le fais. In Jesus mighty name. Au nom de Jésus-Christ. Congratulations. Félicitations. Please open your eyes. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Please follow our sister. Et suivez notre sœur. Please follow our sister. Suivez notre sœur. Church, we're going to rejoice in the Lord. Église, nous allons nous réjouir dans le Seigneur. We're going to celebrate God together. Nous allons